Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes à l'Institut français de Dakar avec Saint-Cirque. Saint-Cirque, c'est une école et une compagnie de cirque qui existe à Dakar depuis 2010. Et maintenant, Modou, l'un des circassiens de l'équipe, vous retrouve pour un atelier de jonglage. Pour commencer, apprends à bien te positionner. Tu dois être debout, le corps bien droit, les épaules relâchées. Tes avant-bras doivent être repliés, tes coudes le long du corps. Et surtout, sois relax. Petite astuce, si tu n'as pas des balles de jonglage, tu peux aussi bien utiliser des citrons, des oranges ou des balles de tennis. Lance la balle qui est dans ta main droite vers ta main gauche en la suivant du regard. La balle doit effectuer un arc de cercle. Réceptionne la balle dans ta main gauche en l'amortissant pour mieux la rattraper. Recommence l'exercice en débutant par ta main gauche. Et continue jusqu'à ce que le mouvement soit parfait. Lance la balle avec la main droite et tape sur la main gauche avant qu'elle n'y arrive. Et vice versa. Lance la balle au niveau du front et tape dans tes mains une fois. Lance plus haut, au-dessus de ta tête, et tape deux fois. Puis encore plus haut, tape trois fois. Fais passer la balle sous ta jambe droite et tu l'attrapes avec ta main gauche. Facile! Tu poses la balle sur le creux du coude et tu la fais tenir le temps que tu peux. Tu peux la poser ailleurs, sur le dos de la main, sur le poing fermé, etc., etc. Évidemment, il ne faut pas qu'elle tombe. Allez, maintenant que tu maîtrises avec une balle, on passe à deux balles. Lance chaque balle verticalement, l'une après l'autre. Tu fais la même chose, mais cette fois-ci en tapant sur la cuisse avant d'attraper la balle. Allez, on augmente le niveau. Tout d'abord, lance la balle numéro 1 de ta main droite vers ta main gauche, sur le même principe qu'à une balle. Lorsque la balle numéro 1 atteint le sommet de sa trajectoire, lance la balle numéro 2 de la main gauche vers la main droite. Tu reçois d'abord la balle numéro 1, puis la balle numéro 2. Si les balles tombent, c'est pas grave. Il faut d'abord comprendre le mouvement et ensuite penser à la rattraper. Ça y est, tu es maintenant prêt à jongler avec 3 balles. Youpi ! Au départ, tu as 2 balles dans ta main droite et 1 dans ta main gauche. Lance la balle numéro 1 de ta main droite vers ta main gauche sur le même principe qu'à une balle. Lorsque la balle numéro 1 arrive au sommet de sa trajectoire, lance la balle numéro 2 de ta main gauche. Rattrape la balle numéro 1 dans ta main gauche, puis lance la balle numéro 3 pour libérer ta main droite et ainsi recevoir la balle numéro 2. Quand la balle numéro 3 est à son sommet, renvoie la balle numéro 1 qui se trouve dans ta main gauche et reçoit la balle numéro 2 dans ta main droite. Lorsque la balle numéro 1 a atteint son sommet, lance la balle numéro 2 et reçois la balle numéro 3 dans ta main gauche. Et essaye d'enchaîner en relançant toujours une balle avant de rattraper une autre. Tu as réussi ? Bravo ! Tu es passé de débutant jongleur à jongleur officiel. Et le monde de la jonglerie s'ouvre à toi. Merci, merci, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.